Le poste frontalier à arrêt unique de Ruzizi 2 sur le point d'être achevé. 80% des travaux de modernisation de la frontière Ruzizi 2 reliant le Rwanda à la République démocratique du Congo sont déjà terminés. La remise technique des travaux est prévue pour le 20 juin 2024, suivie d'une inauguration officielle 2 mois plus tard, c'est-à-dire en août 2024. C'est ce qui ressort de la 9e réunion de pilotage organisée à Bukavu à l'hôtel Panorama le 16 mai 2024. Au regard du constat fait sur terrain après notre descente ce matin, je tiens à saluer les efforts déployés par la société Yangji dans la progression des travaux sur le site. Leur engagement et leur contribution sont essentiels pour la réalisation réussie de ce projet. Ainsi donc, cette réunion aura son sens si et seulement si nous nous engageons à évaluer sans complaisance le degré d'avancement des travaux en cours sur le site et nous rassurer que tout ce qui est réalisé l'est dans le sens de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés et ce, dans le délai imparti. Cela contribuera non seulement à améliorer les conditions de circulation et de sécurité à la frontière Ruzizi 2, mais aussi à renforcer le développement économique et social de toute la région. Ce poste frontalier à arrêt unique vise à faciliter le commerce et la circulation des personnes entre les deux pays, contribuant ainsi au renforcement de l'économie dans la région des Grands Lacs, et il regroupera à un seul endroit les services des douanes, d'immigration et des quarantaines, réduisant ainsi les procédures administratives et les délais d'attente. On espère que, au plus tard le 5 juin, on pourra terminer d'après la planification de l'entrepreneur. Les installations mécaniques et de la plomberie sont déjà achetées, c'est parmi les lots qui arrivent. Il y a environ 5 conteneurs qui nous viennent. Aussi, on planifie installer les sanitaires ainsi que les systèmes de climatisation jusqu'au 15 juin. Et pour ce qui concerne l'ascenseur, le processus d'achat est un peu plus long. L'entrepreneur avait demandé qu'il ne pourra pas les déployer sur site dans les délais du projet. Il a proposé par rapport aux commandes qu'il a fait, que ça ne pourra arriver qu'au mois d'août. C'est pour ça que... Lors de la visite sur le site, le jeudi 16 mai 2024, les membres du comité de pilotage du projet ont formulé des recommandations pour améliorer l'efficacité des postes frontaliers. Ces recommandations incluent la mise en place d'un deuxième guichet pour l'arrêt unique, la remise d'une copie du certificat au gouvernement provincial par le partenaire, la prise en compte des travaux supplémentaires non prévus, l'érection d'un mur pour protéger le bâtiment, l'évacuation ou la délocalisation de ménages situés autour du site du bâtiment. C'est ce qu'a dit Eric Kadebona, responsable du projet à l'OIM, qui a souligné l'engagement de l'organisation à accompagner le projet jusqu'à son terme. On a accompli beaucoup de choses au cours des 5 dernières années. Mais nous avons aussi beaucoup à faire au cours des derniers mois. Je sais à quel point cette expérience a été fatigante et stressante pour certains des membres, mais je sais aussi à quel point vous avez été optimiste et engagé pour mener à bien ces projets de grande envergure. Au nom de l'OIM, je suis très remerciant pour l'engagement que le gouvernement et tous les acteurs ont mis pour ces projets, pour que ces projets voient finalement devenir une réalité. Nous sommes arrivés jusqu'ici et nous attendrons ensemble la ligne d'arrivée. Nous nous trouvons dans une situation où le temps ne joue pas en notre faveur. Nous sommes confrontés à la réalité des temps et des résultats, avec moins de 2 mois pour conclure les projets du point des frontières à guichet unique Ruzizi 2. Réfléchissons donc au voyage que nous avons entrepris au cours des 5 dernières années. Cela a été long, mais nous avons obtenu des résultats louables. Le partenaire Codemac venait de nous promettre que
au 20 juin de cette année, nous pouvons procéder, nous pouvons espérer procéder à la remise technique et qu'après un court moment, peut-être un, deux mois, on peut procéder à la remise officielle et donc à l'inauguration de l'immeuble. Si on doit évaluer en termes de pourcentage, ce n'est pas très très facile. Dis-moi, je peux dire que en allant à 70-80%, on peut espérer que d'ici là, on va procéder à la remise officielle et l'inauguration. Mais conformément aux clauses du contrat qui a conduit à la construction ou à la modernisation de ce site, c'est vrai, il avait été évalué l'évacuation des ménages qui se situent tout autour du site. Et nous espérons que le gouvernement, avec les partenaires, nous allons encore devoir y travailler, voir la possibilité, parce que ça demande un peu de moyens. Si on doit parler de l'indemnisation de ces ménages-là, donc on va devoir planifier et programmer avec les partenaires, voir dans quelle mesure cela pourrait être possible.